Quels sont ceux qui sont en faveur? Passons maintenant au point 7.2. C'est sûr qu'il n'y a pas de ligne de parti. C'est sûr qu'il n'y a pas de monde parti. Oui, papa. Moi, je suis ici en tant que monsieur monsieur Martin. Moi, je suis ici en tant que citoyen propriétaire depuis 1996. Je suis pas à titre autrement qu'à titre de propriétaire ici. Alors, votre commentaire est déplacé, monsieur Martin. Merci. Non, des excuses. Je vous demanderai des excuses, monsieur Arpin, parce que je pense que j'ai le droit d'avoir. Monsieur Arpin, tous les membres du conseil ici sont légitimes. D'accord? Alors, les membres du conseil qui ont des gens qui viennent en tant que citoyens, monsieur Arpin, votre commentaire est déplacé. Je vous demande de vous excuser. Non, monsieur. Ce ne sont que des mandataires. Ce ne sont que des mandataires. Les mandats viennent chez vous. S'il vous plaît. Monsieur Arpin, est-ce que votre titre de conseiller justifie que vous fassiez des insultes à vos citoyens? Voulez-vous retirer, s'il vous plaît? Monsieur Arpin, votre commentaire est déplacé. Monsieur, c'est une insulte. Monsieur Arpin, votre commentaire est déplacé. Je vous demande de vous excuser. Excusez-vous. Votre chaise ne vous permet pas d'agir comme vous faites. Vous êtes ici à titre de conseiller. Votre commentaire, Monsieur Arpin, est déplacé. Vous n'êtes pas mandataire, pas plus. Monsieur le maire, remettez à l'ordre votre conseiller. Monsieur Arpin, je ne suis pas le maire ici, je suis le résident depuis 1987. D'accord? Ça fait depuis 1987 que je paye mes taxes ici. Je suis pas ici en tant que père, je suis ici en tant que citoyen. Est-ce qu'on peut avoir des excuses? Appauvrir le patrimoine pour enrichir le sénateur. Voilà, c'est le choix. Je suis ici en tant que citoyen. Est-ce qu'on peut avoir des excuses? Appauvrir le patrimoine pour enrichir le sénateur. Voilà, je suis citoyen. Est-ce qu'on peut avoir des excuses? Y a-tu des excuses qui viennent? Je suis un citoyen ici. Non, mais est-ce qu'il va avoir des excuses? Je vous explique rien, je vous demande de retirer. J'attends des excuses? Je vous demande de retirer. Monsieur le maire? Non. Je vous demande des explications. Je vous demande de m'expliquer. Vous devriez vous retirer. Je vous demande. Monsieur le maire? Non. Des explications. Je m'excuse de revenir à l'ordre, mais j'agis ici à titre de conseillère. Je n'ai pas d'appui ici à titre parental. Je pense que tout le monde est ici à sa place. Je vous demande de vous excuser effectivement. Je ne veux plus d'allégation de cette sorte. Merci. Alors, c'est pas pour interrompre. Je vous remercie. Nous poursuivons. Moi, je suis père. Mon devoir de citoyen. Parce que. À partir du moment où j'ai une fille au conseil, je ne suis plus citoyen. C'est ça? À partir du moment où j'ai une fille au conseil, je ne suis plus citoyen. C'est ça qu'on dit. Pourquoi vous sortez pas les autres? Écoutez, moi ici, je suis dans l'Assemblée. Moi, j'ai rien fait qui n'est pas correct. J'ai pas insulté personne. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Écoutez-moi, vous. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je suis le... Ben oui, c'est bon. Ça va faire la une des journaux. Il est temps qu'il marche, ce maire-là. Il est
content qu'il parte, ce bonheur-là. Quoi, c'est con comme ça, monsieur. C'est la seule affaire qu'on a de se défendre contre un maire. Vous la seule affaire qu'on a de se défendre. Non, mais la seule affaire qu'on a de se défendre contre le maire. La seule affaire qu'on a de se défendre. C'est la seule affaire qu'on a de se défendre contre le maire.